qu'on a créé ça, le gars de caméra. Hein, le gars de son, 4-5 ans. Moi, t'es court, mais tout le monde disait, c'est pas plus qu'un an ou deux. Bon, on s'est dit, si on fait un an ou deux, ça va déjà être beau, Django, t'as déjà sa grise. Un an, oui. Ben, gardez. Là, ça a été fait, mesdames et messieurs, avec les plaques, viens, t'es slap. Là, on s'excuse, là. Ah, c'est compliqué cette année, pour suivre une méthode. Il y a une metteuse en scène. Il y a un vieil kawa, le petit kawa, le gros kawa. Hein, non, ouais. Quand on fait ça, t'as pas mal de même, on dirait. Tout est normal. C'est ça, il n'y a plus rien de normal avec le COVID. Tu peux plus gérer, tu peux plus faire grand chose. Tu peux plus rien faire. Allez. On fait ça pour faire rire le monde, pis le monde t'a tanné, tu fais fourrer avec des cochonneries qui marchaient pas. Ben voilà. En 84, ils ont fait le Dodge. Oh, on est rendu dans son Dodge en plus. C'est vrai qu'il est beau ton Dodge, OK? Pour un projet qui était supposé durer juste un an ou deux, m'a dire une affaire, on s'en passerait plus. Et on est avec lui, l'homme femelle. Salut! Hey, bonjour! Hey, là, je vais te dire, tu m'as donné du trouble. Là, je vois que t'as une course dans les mains. J'ai passé l'avant-midi à chercher de la hockey frette. Ça a l'air qu'on n'a pas ça ici à Lévis. Ah non, il n'a plus par là. Il n'a plus à nulle part. C'est si, quoi le problème? Il pense, là, va falloir les appels, tabarnak. Moi, ils vont voler. Tu vas pas gagner. Il y a juste ça dans les sacs. Non, appelle-les, sérieux, parce que tu sais, ça avait l'air d'être une de tes préférées, en plus. Là. Ben, c'était de la bonne, ça, d'habitude. Là, mais là, au moins, ils n'ont manqué. Je ne sais pas trop où le monde. Ils vont partir en peur avec ça. Puis ils boivent bien que de ça. Un genre de vieux comeback, est-ce que tout le monde est retourné sur le chevalier? Ça se peut, ça? Ouais, ou ouais, ben oui, ça, ben Wildcat. La Wildcat, fais-moi non, un cri de chat, justement. Là, je t'ai pas encore dit, là. Après, ça vient. Regarde, là, je me demandais si on pouvait starter avec un pout de chat. Je me suis dit, c'est tout le temps un call de la fin. J'ai comme, je voulais être protocolaire ici aujourd'hui. Ben, pout de chat, si on startait, hein? Pout de chat! Pout de chat! Hey, t'es trop cute en plus, ton pout de chat, t'es rendu que ce slogan-là, tu le traînes même ses t-shirts pour enfants. Ben oui, ben là, pas le choix, ils disent tout ça aux autres tout, là, Galvan. Fait que là, ils sacquent pas, au moins, il faut pas qu'ils sacquent. Tu sais, ils disent tout ça, c'est pas libéré. Bon, ben regarde, en plus, c'est ça, tu les éduques au travers de tout ce que tu fais. Faut dire que tu nous éduques pas mal, on se parle-tu? Ben là, j'aimerais ça peut-être qu'avant qu'on tombe dans ta chasse, parce qu'on s'est pas reparlé depuis de l'été, là, dans le fond, on s'est parlé ben au bon printemps. T'as-tu une bonne pêche? As-tu bien été? Oui, non, j'ai pas eu le temps ben d'y aller. Il était un peu, là, mais ça n'a pas été terrible. On était au saumon, ben, le saumon, ça a été bon en tabarnak. Oui, mais t'appelles ça, c'est quoi un saumon valganisé? Valganisé, comme de la truite de calvette. Tu sais, des calvettes, les fonceaux, là, des coins valganisés, là, c'est pareil. Oui, oui. La même chose, c'est juste que là, c'est des saumons valganisés. Le cadeau, il est goûteux, comme on dit. Oui, il goûte la calvette un peu. OK. Ben c'est pas grave si t'as pas eu une si bonne pêche que ça, parce que c'était aussi bien de pas remplir ton congélateur vu à quel point t'as réussi à récolter à l'automne. Là. Ouais, l'automne a été fructueuse, elle, pas mal. Ben là, on a bien fait au saumon, par exemple, il y a eu ça, mais le restant, le doré, il n'y a pas eu le temps d'y aller, là, mais là, non, on s'est repris en chasse en tabarnak. Hé, c'est-tu parce que tes salines, t'es belle, ça? Probablement, oui. C'est probablement ça. Le produit des rues, je l'avais dit, moi, vous roulez là-dedans, petit peu de piste. Ça se garoche au temps! Ah non, hey, tu beurres la place, une affaire terrible. Une affaire que je savais pas que tu fais, c'est que tu orientes vraiment les coins de tes blocs de sel avec les points cardinaux. C'est feng shui, un sacrifice, là. Ben, important, ça. C'est comme le mené dans le sud à la pêche. Si tu checkes pas ça, tu pogneras vraiment à rien. Fait que là, t'as parti ça de même, OK? En même temps, tu dis que tu manges pas de l'orignal, tu vas faire avec celui-là que t'as tué. Non, ben, j'en mange, là. Ouais, t'en manges, t'es pas vrai, t'as charrié que ça, là. Rien qu'un peu, là, mais j'en mange un peu pas mal, mettons. OK, ben, tu nous as fait une belle arrivée. En plus, j'étais fier de toi, parce que le monde, il paraît plus tant que ça, à cette heure, avec le tête, pis tout, là. Ah, non, si, le monde, ils ont payé à moi de pantoute. Sérieux? Tout ça perd, hein, c'est ils ont tout, ça, ils ont tout, Chris, il y a même plus personne avec des côtes à franc, c'est fou, ouais, tout de ça. Ça compte bien en bas de genoux. Tout à fait, c'est à l'inutilité à part de ça, c'est comme pour les égouttements des pluies, là, si je me rappelle bien, et voilà. Une dans le vent, t'entends, fais c'est ça.
c'est merveilleux. J'avais l'impression, parce que la dernière fois qu'on s'est jasé, pareil, tu prenais ta douche dans des boîtes de pick-up, puis tu avais décidé, pareil, de te débarrasser de ton troc, ton beau troc mauve, OK, parce que tout le monde voulait t'amener des balles de finition. C'était trop de job, OK? Ça n'est plus. Je trouve pareil que tu donnes l'ouvrage parce que t'as l'air de dire que t'as débroussaillé des trails, mais finalement, tu te promènes en argot. T'as pas besoin de te faire des trails, là. Ben, c'est parce que là, oui pis non, parce qu'à un moment donné, t'entends que je prends mon Big Red, là. Vois-tu, un Big Red, des branches, je suis pas tant bon. Ça prend des bonnes trails, c'est pas terrible, vois-tu. Non, en tout cas, ton Arctic 4, c'est 375, il roule en cibole, là. Ah, lui, oh, ouais, là, lui, il est plus vendu. Si tu peux oh, tu vends tout! Un gros roulement. Ouais, ben là, t'as pu venir acheter une coupe, là, ça s'en vient, vous allez voir, ça va être merveilleux, ça. Ben là, la semaine passée, t'étais supposé être à Moche et Cotonne, là, puis il oui. y avait comme une affaire avec les arcs et les arbalètes. Tu parlais de vendre la tienne, 12 000 piastres, c'est arrivé, ça? Ben non, si, elle l'a oublié chez nous. Il y avait pas de 12 000, mais je l'ai oublié à la maison. Ben que, c'était là, je vends-tu pas. Elle savait plus. T'es indécis, comme on dit, hein. Ça arrive des fois. Ouais, ben t'as le droit, là, t'as le droit. Mais c'était une belle veillée, ça. Oui, ouais, on a eu du fun au coton. On a vu du monde au coton. Ça a parti, les arcs, ça a sorti, cause flout. Même moi, je n'ai rien fait, nous. Ah, oh, ben, pis, fait que tu t'es déchaussé, comme on dit, là. Ah, ouais, des fois, ça coûte le vendredi, nous, hein. Là, à que parce que là, j'ai vu ta chasse à l'orignal, j'ai aussi vu ta chasse au chevreux. Je veux dire, il y en avait trois, là, une belle brochette détendue à terre. Les chevreux, les balles à feu. Ah, non, il y en avait cinq dans les vidéos, cinq à terre. Arrête donc, toi. T'expliques oui, ça comment? Dans le premier, cinq dans le deuxième, ça a été une tuerie totale. Wow! Tout okay. Des chevreux et des cornes. Bon, il y a toutes des cornes à feu pour ça, des cornes à feu. Des jackrabbits, puis tout, là, c'était comme ouais. Beaucoup d'affaires dans le monde. Dans cette rivière-là, là, mais les chevreux sautaient dans la rivière, des vraies crises de fou, ça. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est quoi la magie qui a opéré, là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Hein? Je sais pas si c'est le jus de carotte dans la rivière ou c'est quoi, là, mais les carottes à boc, là, ça marche en tabarnak. Tu voyais arriver ça, ils sautaient tous dans la rivière. Là, elle dit, ils vont se nayer, sacrément, t'es beau petit, t'es obligé de les aider un peu à sortir. Faut dire que t'avais pas fait ton chip et ses carottes, là, maintenant qu'il y a. Non, il était à grand coup, là, cette année, là. Mon chum Steph, à grand mot, il dit, embarque une palette, puis il dit, ah ouais, go. À coup de palette, là, tu te trompes pas. Non. Non, mais je me disais, Chris, les cieux, pareil, du pick-up en arrière doit être à côté, là. Il y en avait d'ailleurs. Dan Bigra m'a dit qu'un ram, t'étais bon pour remplir ça. Quand il rentrait, il dit à Dan, ah oui. Tu avais l'air de dire et tout que t'en gardais une coupe pour toi, mais que t'étais tanné de manger de la crème de carotte, là. Ouais, cette année, on a essayé une autre affaire, là. Les gâteaux aux carottes, c'est meilleur un peu que de la crise de crème de carottes. J'espère. Dans les affaires que j'ai appris et tout, là, tout le temps dans ton coin de Saline puis tout, là, toi, t'es chanceux, dans ton bout, t'as de la bleuetière. Mais c'est-tu vrai que quand tu le rouvres, là, tu vois qu'il a mangé des bleuets? Ah, les orignaux, nous autres, sont tout le temps des bleuets. C'est bien plein de bleuets. Ils s'ostinent avec les ours, sacrément, sur le bord des buts, des orcas, puis ça s'ostine, ils se battent, qu'est-ce qu'ils ont? L'ours, il me dit, il dit, mais c'est une volée, il dit, il voulait tout manger mes belles-lèvres, voyons donc. Je vais reprendre ta phrase, ils se battent pour les tales, pas pour rentrer dans Chantal. Non, oublie Chantal, elle n'était pas là, elle, c'est les tales de belles-lèvres, t'as titre dans le sens. OK. J'aimais bien la rime. Je connais pas Chantal, mais en tout cas, elle a une citation à son nom. OK. Ouais, mais tu connais ma tante Ginette, par exemple? Bon, vu que l'autre fois, on avait comme une anecdote quand on s'est reparlé, j'ai comme cherché s'il y avait eu des histoires sur ma tante Ginette depuis ce temps-là. Ben non, elle est tranquille. Elle s'en sort plus, mais ben, elle va pogner le COVID, puis là, on l'a pas revu. Ah, ça a calmé bien du monde, ça, là, hein? Ah, c'est une cochonnerie. Pour moi, d'après moi, elle va pas passer au travail. Va falloir qu'elle l'appelle. Toi, ouais, ça va pas venir à truite. À truite avec toi. Toi, t'as-tu un truc passé au travers de ça, justement, pour garder ta... Oui! Ouais. Le nayer. Le nayer, hein? Un bon rince. Un bon rince, ça règle tout. Ah, pas de chance. En tout cas, t'as l'air de t'être bâti une belle collection de linge. Pareil, je me suis dit que la prochaine fois qu'on jaserait, je m'arrangerais pour avoir un TOD ou de quoi de même, là. C'est sûr que ta calotte de l'homme femelle, par exemple, fallait se prendre d'avance, hein, être épuisée, c'est bien certain, là. Ben, elle est brûlée. Si, c'est la partie, même des petits pains chauds, ça. Mais là, on va avoir de quoi de beau, là. Vous allez voir. Ben, j'en ai trouvé des belles affaires. C'est quoi tes nouveautés, hein? Regardez ça, là. Ça s'en vient, là.
Le nouveau maudit, l'homme femelle, mais là, ça va être limité. Vous allez voir, là, ça va passer. Slow! Pareil comme un coup de vent dans une salle de grand pain canadien. Là. Vous allez voir que ça sera pas long. Il faudrait que je le commande là avant même qu'il existe. Là. Aussitôt que la vidéo va sortir, vous allez voir, ça va passer. Paf! Pain sur le piton, puis après ça, c'est quantité limitée. Mais comme le camp. Le kangourou Castorche, là, lui, es-tu oui. limité? Es-tu limité? Ou... Non, Castorche, tant que tu veux, là, tu peux te porter. C'est ça, c'est... T'as l'infini, le Castorche, hein? On peut l'avoir autant. Il y en a un, je suis pas sûr, je comprends, OK? Celui-là qui est lac à la flèche, heurte, chevreux en jument, pour ma coquette, bain du pipi, ferme cossette. Je saisis oui. la rime, mais je suis pas sûr, je comprends tout ce que ça veut dire là-dedans. Ça, c'est... Il faut que tu recules, là, il faut que tu recules. Dès le début de l'homme femelle, là. Ouais. Tes premiers commanditaires, c'est quand on a fait le gros film de chasse, là, vous allez voir, là, semble c'est dans le 2e ou 3e vidéo, là, d'un premier, il y a un gars d'assis sur une chiotte, il sort un Alaska Yukon Moose, là, il y a un rack sur la tête, il en chope. En tout cas, vous allez voir dans les premières vidéos, vous allez comprendre. C'est tout expliqué au début, là. En plus, OK. Fait que ça, le slogan vient de là, là. Oui, oui, ça sort tout de là. OK. Le monde, ils ont des idées pareilles. Comme ça a l'air que le tablier de cuisine, c'était une demande spéciale, ça, là. Ah, on a eu un paquet là, de demandes. Ça finissait plus, là. Le monde, on voulait assis, on voulait ça, mais là. Mais ben là, t'en as fait des affaires pareilles, là. Les collants, les porte-clés, les cartes de soie, les leeches. L'assainisseur d'air, il sent à quoi, hein? L'assainisseur d'air, l'homme femelle, ça sent à quoi, ça? Ça dépend. Il y a plusieurs modèles, voyez-vous, là. T'en as qui chantent bon, mais il y en a qui voient chez vous. Ben voyons donc. Puis ça va-tu au mérite ou bien c'est le hasard qui décide si ça s'en charogne ou pas? Ça dépend. Ça dépend de quel piton tu pèses. Tu sais, la gang, là, si tu cliques là, le piton qui sent pas bon, t'as des chances que ça sent pas terrible, non. OK, ben moi, j'avais envie de l'essayer. Le washi tape et tout, il m'intéressait. Oh. Je me servirais de ça pour quoi exactement? Tu peux taper n'importe quoi. Pour tout, hein? T'as envoyé une carte de Noël à ma tante Henriette, puis il crée une shot de washi tape là-dessus. Flau! Garde ça dans la malle. Je peux-tu taper un beau boc avec ça? Bon, je suis tente d'en taper un, là, quelque part, là. Tu l'attends avec du walkie tape. Okay? Ouais, bon, ben, regarde. Mais de toute façon, si je veux garder quelqu'un, là, j'ai peut-être pas juste avec du washi tape, j'irai pour une vidéo personnalisée. T'en fais-tu beaucoup de ça? C'est-tu bien cher? Quand j'ai le temps, là, viens en bout, là, mais c'est ça, là. Ça dépend toujours du temps, là. Comme là mon chum du Jason Ruel, là, si tu veux oublier d'y dire bonne fête, mais là. Bonne fête, calvasse en passant. Non, là, mais, Chris, bonne fête! C'est quand on a le temps, mais là, on est dans le run d'hiver ici, là, dans le bois par ses oreilles, puis dans la neige, puis dans la marde, puis il fait moins 2000. Puis, je sais, t'étais dur à rejoindre. Une chance qu'il y a la femelle, là, dans le fond. Là, ouais, ben là, c'est ça. Ça prend quelqu'un pour me remplacer de temps en temps, parce que dans ça, elle m'a ramassé le chat sur des orteils. Ouais, puis si j'ai bien compris, madame femelle va avoir un bébé femelle et tout. Ça m'enseigne qu'elle est femelle. Okay. Ça va faire une tabarnak de patente, ça finira plus vraiment. Non, mais c'est une grosse année, puis elle en plus, comme si le congélateur n'était pas assez plein, a tué son premier chevreux et tout. Fait que franchement, c'est une grosse année femelle. Là. Ah, ça a débarqué cette année, bing, bang, boum, balaboum. On a vidé le trou, bonjour, dans le titre. Oh, mais là, dans ce cas-là, on s'est-tu fait comme un genre de plan 2023 ou, tu sais, on roule ça de même? On roule, tant que le gaz, tant qu'il y a du gaz, fond, on fait le gaz. Pas le choix. On roule le gaz au fond. C'est pas cher, hein, oui. Ben ouais, il donne le gaz. Toi, t'es-tu le genre qui pisse dans son gaz? Non, si pas le temps. C'est un petit taponnage. Pisser dans le gaz, distiller ça. Ah! La merde. Au moins, tu l'as essayé. Jusqu'à temps que ça coule à terre, puis après ça, ah ouais, gros, va ton bras. On y va comme on peut. Je me demandais et tout, là, tu sais, dans tout là, ce projet-là de l'homme femelle puis tout, là, tu sais, des fois, là, ça devient-tu essoufflant d'être une vedette de même, que tout le monde soit après toi? Ah, t'as pas le temps d'être essoufflé, là, parce que si tu t'essouffles, ils vont te crisser un coup de cul, hein, fait que... Ils sont déjà rendus, hein, ils sont tous... Ah non, ça va bien, c'est pas si pire, c'est encore pas pire, ça va bien.
Bon, mais regarde, je suis contente, il faut que ça reste de même, parce que, tu sais, dans la vidéo du début, tu dis une ou deux années, on doit être rendu à 5 ans déjà. Non, je ne sais plus, 3 ans, 4 ans, ouais, peut-être, je ne sais plus. En tout cas, c'est quasiment rendu du cinéma, ton affaire, là, t'as du monde. Mais aussi longtemps que ça va continuer, puis que le monde va rire, puis avoir du fun, on va continuer. Après ça, là. Moi, je pense qu'on te garde tout le temps, là. Il y a des concours de cet incite, pareil, sur ta page, là, si on veut, là. Oui. C'est quand ton tirage? Parce que j'aimerais ça de gagner ça. Hey, là, il y a 10 assainisseurs d'air justement à gagner. Ah oui, là, de toutes les variétés. Là, de sans bon en crise, ça sent ouf. Poyon, on va encore voir. Ouais, comment, ça finit? Comment je fais pour participer à ça? Faut-tu like la publication. Après ça, il faut que tu envoies une photo de ta chasse de cette année. Oui. Puis après ça, il faut que tu la partages. Mm-hmm. Là, tu as une chance de gagner. Puis ça va finir dimanche au soir. Fait que ça fait bien qu'on se parle là, c'est là le concours. Ben oui, c'est drette là, c'est là que ça se passe, drette, boum. Mais t'es donc bien généreux, tes commanditaires sont tout le temps là, hein, sérieux, ça te suit, Écotonde, puis tout. Ouais, ils ont drette en arrière de nous autres tout le temps après, si là on répète, ils se tossent la face, puis on continue, ben ouais, par là. T'as remercié Serge l'autre jour et tout, le gars de la chasse à sang, là, il a l'air de... T'utilises-tu son chien des fois? Serge Ferron, ça, c'est... Ben, toute l'association des chiens de sang du Québec. Oui. Ça, c'est une affaire qui encourage le monde à appeler Calvos, parce que des fois, là, c'est une niaiserie, vous allez perdre votre gibier. Eux autres sont là pour ça, puis ces gars-là font ça avec cœur, avec passion, puis ils chargent à rien, à moitié rien, puis vous allez, tu sais, vous avez 100% de chances de plus de le trouver que si vous y allez tout seul, puis vous brûlez le spot, puis après ça, vous n'aurez plus de chance. Oui, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop loin d'où ce que t'es, là. Tu sais, je veux dire, là, toi, t'es dans ton Everest, là. Il faut qu'il soit pas loin, pareil, de débarquer avec un chien, là. Je vous dirais qu'ils ont beau être loin ou pas loin, ils trouvent une manière, puis ils sont là souvent en dedans de 3-4 heures. Puis le chien va faire en 1 heure ce qu'un humain va faire en 2 jours. Exactement. Ben lui, il va se rendre même. L'humain, il se rendra probablement pas, là. En tout cas, si tu te rends, t'as de la misère en hostie, je peux te dire une affaire. Parce que j'essayais de suivre le caniche, moi, quand on a monté au chevreux, là. Puis j'ai jamais vu un caniche rouler 108 000 à l'heure d'une butte en montant de même. Tabarnak de 6 mois. Il faisait quasiment du voilé, comme on dit, là. Ça montait. Quand il levait sur les coussins de pattes, c'est l'enfer. J'aime du tout. Hey, mais sont-ils nombreux? T'sais, on dirait que c'est comme mythique, cette histoire-là. C'est comme, je sais qu'il y a un regroupement, mais tu sais, sont-ils deux, sont-ils 40? On dirait que j'ai aucune idée. Il y en avait, ben là, ça commence à être de plus en plus populaire. Là, au début, là, il n'y en avait pas beaucoup comme nous autres là, dans notre bout. Là, il y en avait 2-3, ils sont rendus 7-8, je pense. Puis à travers le Québec, là, il doit y avoir au-dessus peut-être 100 chercheurs, là, d'après moi, là. Ben, ça vaut à peine. Là. C'est vraiment une affaire que j'encourage beaucoup. Parce ben, que tu viens de le faire une maudite belle plodge, là. Au tas de gibier là, que, t'sais, que le monde peut parler, là, pour des fois, c'est une niaiserie, mais ça, t'es... en tout cas, tu mets chance sur ton bord. Ben, garde donc si t'es consciencieux à bord de ça. Tu nous dis pas de mettre un casque, puis c'est tout. Ah non, ben là, un casque. Je te taquine. Une calotte à cap, pareil. Une calotte à cap, c'est bien pareil, cette histoire-là. Ouais. Fait que là, juste pour être dans le secret des dieux, là, on a-tu un autre bébé femelle? Ou, tu sais, il me semble que je m'attends à quelque chose, là. Vu qu'on a l'homme femelle, bébé femelle va avoir son nom à lui, là. Ça va être... Non, on peut pas dire ça tout de suite. Faut sortir ça. Mec, ça y est le temps, là, vous allez le savoir, parce que là, si je peux pas, je peux pas dire ça tout de suite en primeur de même. Bon, ben là, ça, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire qu'on va se reparler, l'homme famille. Ben, c'est bien sûr qu'on va se reparler. Ah, t'es-tu fin? C'est déjà décoré chez vous. En plus, t'as un beau décor aujourd'hui. Oui, c'est prêt. Les cadeaux sont emballés tous. Pas pris de chance. Emballé ça avec mon chum Stéphane, les deux mains dans la graisse au galère. Puis... ouais, puis ça faisait longtemps que je t'avais pas vu propre, tu sais. Hey, merci! Tu sais, t'as qu'à faire un compliment. T'es un beau, puis t'es un bon crotté, l'homme femelle, OK? Sur ça, je te fais un gros santé, OK? C'est un honneur à chaque fois. Puis je dis à tout le monde d'aller s'abonner à ta page, parce que ça rend heureux, tout simplement. Ouais. Santé, bonne année, joyeux Noël à toute la gang, joyeuses fêtes, attention à vous autres, puis profitez-en au max, on sait jamais ce qui va arriver demain, puis venez vous abonner, on va avoir du fun, c'est pas fini. Il nous manquerait un chat, un pot de chat. OK, watch your best, ça.
Il est celui-là, hein? Il est en mire, celui-là. Oh mon Dieu! M'a t'aidé. Bonne santé! Merci! Indie, trendy, hipster, preppy. Je m'en fais musique et baise. J'ai les cheveux et le style pour grimper sur les palmarès. Et aux jambes des filles, mon côté rebelle et artiste séduit les matantes, les mamans qui se disent que je serais un bon fils, un bon gendre ou un bon amant. C'est...